Les fraternités. Bon, de retour après la manif pour Steve. Enfin, l'hommage à Steve. Et j'étais assez heureux aujourd'hui. Enfin, j'étais assez heureux ce matin parce que je pensais la voir. Je pensais qu'elle serait passée à la maison. Je pensais la voir de loin en manif. Au moins de loin. Juste la voir en fait. Ça m'aurait fait du bien de la voir. Ah. Mais. Je me suis rendu compte d'un truc aussi dans la manif pour Steve. Tous ces gens là rassemblés, toute l'équipe de Steve, tous les amis de Steve qu'il aimait, ça se ressent qu'il aimait, ça se ressent grave, et c'est ce qu'on a tous ressenti, je pense, cet après-midi. Ça m'a fait comprendre la force de l'amour. The power of love, comme dirait la chanson. Tous ces jeunes qui ont organisé cette marche aujourd'hui, qui se battent pour qu'on oublie Steve, pour que justice soit faite, ils le font pas par haine, ils le font par amour. Je trouvais ça beau. Tu vois, il y a eu deux genres de personnes aujourd'hui. Ceux qui étaient là par amour et par compassion. Ceux qui étaient là pour exprimer leur rage intérieure. En s'en foutant des autres. Voilà. Ça m'a fait réfléchir, tu vois. Pourquoi les gens se battent? Pourquoi moi je me bats? La rage de vivre. Voilà pourquoi beaucoup de gens se battent. Pour exprimer leur mal-être. Parce qu'ils ont une vie de merde dans cette société de merde. Et ils veulent se battre pour que ça change. Je comprends ce sentiment. Je viens de citer. Je comprends le sentiment. Je comprends grâce au sentiment celui qui m'a animé pendant très longtemps. Mais. J'ai plus envie de me battre pour exprimer ma rage. Plus. J'ai envie de me battre pour les gens que j'aime. Pour Popiette, pour Evo, pour ma mère, pour ma soeur, pour les enfants Seb, pour Seb. Pour les gens que j'apprécie, pour les gens que j'apprécie pas. Pour les gens que je connais pas. C'est pour eux que j'ai envie de me battre. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. De se battre par amour. Ou de se battre avec la rage. On peut avoir la rage, tu vois. J'ai la rage de tout ce qui se passe. J'ai la rage de tout ce qu'on fait, tout ce que ce système fait subir à moi, aux gens que j'aime. Oui, j'ai la rage. En fait, je trouve, tu vois, ça te donne une force beaucoup plus forte de se battre pour les autres que de se battre pour soi-même. C'est la fraternité. Enfin, je pense. J'ai juste cette vidéo parce que. Tu vois, je m'attendais à juste la voir. Je m'attendais pas qu'elle me parle. Je m'attendais juste à voir. Et de savoir qu'elle était autour de moi sans savoir où. J'ai pas de mots en fait. Et là,
super inquiet pour savoir si j'ai rentré sain et sauf. S'il n'y a pas eu de problème, si c'est pas manger un coup de flashball ou de une grenade, si c'est pas fait arrêter. Et oui, c'est ce que j'ai dit il y a 2 jours, je reviens pas dessus. Je veux que l'amour que j'ai, c'est une force. Mais c'est aussi m'inquiéter pour les gens que j'aime. Et je m'inquiète pour elles. C'est comme ça, j'y peux rien. Je m'inquiète grave. Ça me... Le cerveau, tellement je m'inquiète. Tu vois, j'ai même plus envie de la forcer de me parler ou de m'écouter. Si elle a envie, je serai l'homme le plus heureux du monde. J'ai juste envie de savoir qu'elle va bien. Et l'état d'esprit dans lequel m'a quitté, je t'avoue que ça m'inquiète encore plus. Voilà. Et oui. Tu vois, j'ai remarqué un truc aussi aujourd'hui, tu vois. J'ai accroché ça hier à mon chapeau. Pour pas oublier de laisser mon cœur ouvert. Qu'il fallait que j'arrête de fermer mon cœur parce que sinon j'y survivrai pas et même pour la lutte, j'atteindrai pas mes objectifs. Si je veux être éternel, il faut que mon cœur soit ouvert. Si mon cœur est fermé, je le serai jamais. Ça m'a fait penser que je suis un homme agrégé. Tiens, tu vois. Quand j'ai décidé de venir asexué, j'ai laissé pousser ma barbe. Quand j'ai décidé de consacrer ma vie à la lutte, je me suis accroché une roche propre à fromage à mon pantalon. Tu vois, Futin m'a donné un petit pins. Et ce petit pins, il me rappelle tout ce que j'ai enduré pendant la lutte. Tu vois, quand je le vois, ça me rappelle tout ce que j'ai enduré qu'il faut pas que je retombe dedans. Mais tu m'aurais dit qu'un jour, j'accroche un cœur à mon chapeau pour ne pas oublier de le garder ouvert. Je t'aurais ri à la gueule. Mais bon, voilà. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je suis toujours en paix. Une partie de moi-même qui est toujours en paix. Ça ne changera pas. Et je suis heureux. Je ferai une vidéo là-dessus. Comment je suis heureux d'avoir quelqu'un à aimer. Tu vois, comme le pote de Steve. Steve a beau être mort, il l'aime. Même si elle est partie, même si elle avait pu me côtoyer. Je l'aime. C'est parce que je l'aime que je suis inquiet. Et que oui, l'amour, c'est mieux. S'il est réciproque. Mais aimer quelqu'un, c'est magique. Je suis même pas sûr d'avoir aimé quelqu'un autant qu'elle avant. Je sais pas. Bon, je vais arrêter cette vidéo. Ok, fraternité tout le monde. Et merci à ceux qui regardent jusqu'à la fin, merci pour le soutien. Et merci pour les commentaires sur les 2 vidéos de concert que j'ai fait hier. Allez, Hugues, fraternité tout le monde.